Salut à tout le monde qui est là, dis-nous bonsoir, les membres de la presse, parlée, écrite, télévisée. Salut papa ici, hein? Nous faisons 72 heures de temps dehors. Et nous n'importe là, nous faisons tourner. Et je crois que c'est normal pour nous pour moi dans nos rapports de mission que nous sommes là. Moi, je voulais tout saluer le roi d'Espagne pour accueil chaleureux et cordial que tu réservé pour nous. Pour mission que nous sommes fait là en Espagne, là, nous avons accompagné deux délégations. Une délégation. Et notre délégation, c'est tout, tu as gagné. Président de la Chambre de commerce et de l'industrie, M. Hervé Denis, qui était en charge de présenter possibilités qui gagnent dans le monde de l'industrie du commerce en Haïti. Il y a tout quelques membres influents du secteur privé hein, qui étaient allés pour te parler déjà avec des potentiels investisseurs. Mission a commencé par une réunion de travail avec le président du gouvernement espagnol, président M. José Luis Rodríguez Zapatero. Et il faut nous que, encore une fois, basé sur l'accueil que nous avons reçu du président même, nous avons dit que Haïti était à l'honneur. Nous avons profité de remercier l'Espagne pour apport lié à Haïti. Nous connaissons que depuis le séisme, l'Espagne est venue le troisième pays le plus important dans l'aide à Haïti. Et résultat, réunion de travail, ça, après que nous avons fini de reviser la coopération dans son ensemble, c'est des décisions que le président a prises pour lui allouer 50 millions d'euros à Haïti comme crédit pour petites et moyennes entreprises. Un corps qui pourra passer par la BID. Donc dès lundi, nous allons mettre des procédures en place pour qu'on ait qui gens que la privée n'a même petits commerçants. Les gens qui n'ont jamais droit à crédit ou bien les gens qui ont obligé à prendre un point. On y a 30-35% qui fait yo pas qu'à qu'un business, yo pas qu'à voyer petit à l'école, yo pas qu'à faire femme kaye. Donc c'est très important pour nous, parce que son nouvelle importante, 50 millions d'euros alloués à Haïti, en sorte que nous qu'à assister petit commerçant yo. Deuxième résultat que nous venons de réunion ça, c'est engagement président prend pour lui mettre sous pied l'école de formation des maîtres, formation des professeurs. Chaque côté président m'a dit passer, lui parler de l'éducation qui pour lui sont un problème majeur. Nous parler de l'éducation sous différents aspects. Un aspect aussi, c'est accès à l'éducation qui veut dire que si on n'est pas à l'école. Et encore une fois, m'a profité d'annoncer que une fois le gouvernement mis en place programme Timounio l'école, 100 000, nous devons pour 100 000 Timounio à l'école dès septembre. Là. Une fois le gouvernement mis en place, nous travaillons sur ça. Pour nous voir 100 000 Timounio à l'école. Ça, c'est un assez de problème d'éducation. Nous connaissons tout, il y a l'école écrasée. Ça, c'est l'autre aspect du problème d'éducation. Troisième aspect, c'est la question niveau éducation. Professeurs, en pile dans yo, besoin de recyclage. Pour la plupart, il y a besoin de recyclage. Nous besoin de former des maîtres, des professeurs qui paraissent vraiment pour porter éducation valable. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que c'est un gros engagement que le président Zapatero prend. Le mettre nous, que la travail est soumise. Sous pied
de un établissement qui forme les professeurs en Haïti. Ensuite, nous avons assisté à un déjeuner de travail avec le ministre des Relations extérieures et coopération, Mme Trinidad Jiménez, côté nous passer en revue coopération avec le pays Espagne. Encore une fois, des deux côtés, nous sommes satisfaits et chaque partie sous bon tabla, tu as une chance et opportunité pour te prioriser, parler de avantages que je vois, de bénéficiaux, de problèmes que vous rencontrez et de ça, côté vous voulez aller. Bien sûr, c'est toujours une opportunité, puisque le président fait qu'élu, pour parler de l'engagement que le prend vers le peuple là, pour que si besoin est, pour nous réorienter l'aide là. Moi, je dis déjà, l'Espagne, depuis le tremblement de terre, c'est le troisième pays qui est plus important dans l'aide à Haïti. Nous avons eu l'opportunité, après ça, allons dîner avec le Forum de la Nouvelle Économie, côté que nous avons plus que 500 entrepreneurs. Plus que 500 entrepreneurs. Parmi 500 entrepreneurs, ça y est, 30 plus gros entrepreneurs en Espagne, ils étaient là. Et nous avons l'opportunité, encore une fois, de remercier l'Espagne pour ça l'a fait. Nous avons prononcé un discours. Un discours qui était là pour te rétablir confiance. Faire mon bonne confiance dans Haïti à nouveau. Vendre cette nouvelle image d'Haïti. Et dans ce sens-là, mon cas dit que nous bien réussi le travail, nous. Puisque après dîner, conférence, nous avons dit que entrepreneurs suivent nous pendant tout le restant. Alors, bien sûr, nous abordons différents aspects ou différents champs côté que Yoka vine créer des emplois. Yon n'a pas que nous assurons que nous fait, c'est pendant tous ces jours. Dit tout le monde que nous comptons par exemple que l'Espagne, c'est le troisième plus grand donneur, mais Haïti, que le président Michel Martelly va le mener, son Haïti qui voulait pour nous ralentir sous bon et qui voulait entrer dans le développement durable à partir de l'investissement. Investissement, c'est une opportunité pour investisseurs qui veulent business, c'est vrai, mais c'est tout une opportunité pour Haïtiens qui avaient un travail là. Dans la zone de développement, ça a fait là, ils sont opportunités pour planter, qui a planté tomates là, du riz, maïs, zaboka, cavane. Nous, femmes disent que les Espagnols, très poussés dans le secteur tourisme là tout. Donc nous avons une opportunité pour nous parler en pile de belles plages dans la grandance. Dans le nord, la liberté, dans le sud-est. Et en fin de compte, nous mentionnons ça là, Kounian, mais nous parlons de beauté Haïti en général, nous parlons de richesse culturelle, nous parlons de main-d'œuvre qui là, de Haïtiens qui parlent pour travailler. Et nous avons un exemple, le Haïtien veut travailler, il performe, il a un bon résultat. Donc nous disons en prie, ralentis assistant à investissement. Et lundi à 6 ans, m'a rappelé nous-mêmes, Mme Désir, avant de moi, sous 10 milliards de dollars que vous mettez à Haïti, il y a 4 milliards de dollars passés en Haïti déjà depuis le tremblement de terre. 4 milliards de dollars dépensés en Haïti, je dis à nous pas carré. Concrètement, qui ça le fait? Nous ne pouvons pas accuser personne, parce qu'il s'agissait de sauver des vies, donc peut-être que nous avons de l'eau. Peut-être que vous allez manger, peut-être que vous allez une tente, mais 4 milliards de dollars passés comme ça. Parce que l'important pour nous faire attention, pour que le reste comme là, comme nous,
si nous continuons à inspirer confiance, parce que ça ne peut pas mal passer.